todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. Y no encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Oh, y todo lo daría tan solo por un beso, y todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. No encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Amenez-moi mon fils. J'ai besoin de le voir. Ça, c'est pas mal. Et depuis quand il t'intéresse? Alors que tu n'en as jamais rien eu à faire. Écoutez, ne changez pas de sujet, hein. Si j'ai un enfant, j'ai besoin d'avoir de ses nouvelles. Je veux avoir de ses nouvelles. Vous savez quoi? Même si je suis enfermée ici, j'ai le droit de le voir. Alors vous, vous devez me l'amener. Oh, écoute, attends un peu. Tu sais comment sont les choses? Tu n'as aucun droit. Les criminels n'ont aucun droit. Alors oublie cette histoire. Oublie que t'as eu un enfant avec moi parce que pour lui, tu es morte. Comme ça, madame ne peut pas avoir son enfant parce que tu n'en as pas envie. Au nom de quoi est-ce que tu lui refuses ce droit? Réfléchis, ma fille. Tu ne crois pas que le moment est enfin venu de dire la vérité à Reynaldo à propos de l'enfant que tu attends? Écoutez, mon père, je vous demande de m'excuser, mais j'ai pris une décision à ce sujet. Et je n'ai pas l'intention de dire la vérité à Reynaldo, vous comprenez? Valeria... Non, cet enfant est à Reynaldo et à moi, et à personne d'autre. Je ne veux surtout pas qu'une mise au point vienne gâcher la naissance de cet enfant. Mais Valeria, tu as une obligation morale envers toi-même et envers mon neveu. Tu ne peux pas te marier comme ça, en portant un poids aussi lourd sur ta conscience. Bien, je préfère ça plutôt que de dire la vérité à Reynaldo. Mon père, cette vérité, la seule chose qu'elle va lui faire, c'est du mal. Et aujourd'hui, il est heureux. Et croyez-moi, ce n'est pas moi qui vais lui gâcher son bonheur. Tu as peur, Valeria. Tu as peur. Ah non. Et je comprends. Oui, ça va être dur pour Reynaldo d'apprendre la vérité sur... ce que toi et Anna Julia avez manigancé, sans son consentement. Mais ta peur ne justifie pas ce que tu comptes faire. Ne complique pas les choses, Valeria. Dis la vérité, je te soutiendrai. Bien sûr que oui, si tu veux. Tu sais, je m'engage à parler à mon neveu. Mais dis-lui la vérité. Dis-lui tout, tout de suite. Ça, c'est la meilleure nouvelle que tu pouvais me donner, ah, mon fils adoré. Mais évidemment que vous avez ma bénédiction. Valeria est une femme bien, la meilleure de toutes. Merci, papa, merci. Merci de me soutenir. Merci. J'ai toujours dit que si mes fils sont heureux, c'est suffisant pour moi. Alors cette nouvelle, il va falloir la célébrer en grande pompe. Oui, bien sûr que oui.
Je vais l'annoncer à toute la famille pour que tout le monde soit au courant et que la tension autour de ce sujet retombe. Hmm? Mais bien entendu, Ronaldo, la seule chose qui doit compter pour vous, c'est ce que vous ressentez. Ne vous occupez pas des autres. Alors, ne parlons plus de ce sujet et on va préparer un grand dîner pour fêter le rétablissement de Sébastien et ton mariage avec Valéria. On va faire les choses en grand. Viens que je te serre dans mes bras, Ronaldo. Félicitations. Félicitations. Mon ange. Comment est-ce que c'est possible? Comment as-tu pu cesser de m'aimer? Sébastien! Qui t'a autorisé à quitter ta chambre? Ah non, Assunta, ça suffit, la dictature. Je vais être tout pâle à force de rester enfermé. Laisse-moi prendre un peu de soleil, d'accord? Non, monsieur. Le docteur Mendizabal a dit repos total. Mais tu n'obéis pas. Alors je vais lui dire de te ramener à la clinique. Tu vas l'appeler, on va voir qui va l'appeler en premier, hein? Allô? Docteur, comment je vais? Très énervé. Assunta ne me laisse pas aller aux toilettes tout seul. Je suis enfermé dans ma chambre parce qu'elle ne me laisse pas sortir dans le couloir. Allô? Allô? Bonjour. Dis donc, Sébastien, elle est plutôt pas mal ta chambre, non? Ici, ce qui détermine si elle va voir ou pas son fils, c'est la loi. Et la loi est du côté de cette femme. Et dis-moi une chose. D'où tu sors, mon pote, hein? C'est une histoire entre ma femme et moi. Non, 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 non. J'ai totalement confiance en cet homme. Alors il peut se mêler de mes affaires autant qu'il veut. Mais oui, je vois. Tu ne te lasses pas de collectionner les hommes, hein, Maria Ruiz. Un peu de respect pour cette femme. Respect. Du respect. Ici, il est question des droits de visite d'un enfant. Et la loi t'y oblige. Elle en a le droit. Qu'est-ce que tu cherches, toi? Que la police t'y oblige? Mon père, vous savez que si je dis la vérité maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais tout gâcher. Il n'y a pas de raison que ça se passe ainsi. Mais bon, cela mettrait un terme à ma relation avec Ronaldo. En plus, Ronaldo ne me pardonnera jamais de lui avoir menti. Et je ne veux pas non plus que cela détruise l'image qu'il a d'Anna Julia. Je ne voudrais pas que par ma faute, il éprouve de la rancœur envers elle. Je t'ai déjà dit, Valéria, que je t'aiderai. Écoute, à nous deux, on peut aider Ronaldo à assimiler tout ça. Enfin, à assimiler la vérité sans heurts. Non, 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 mon père. Écoutez, vous devez me pardonner, mais je sais que pour vous, à cause de votre morale et de votre éthique, il faut dire la vérité, mais je suis guidée par autre chose, par ce que me dit mon cœur, ce que disent les sentiments. Je suis amoureuse de Ronaldo, je l'aime. Et je crois que j'ai le droit d'avoir une vie heureuse avec mon enfant, avec lui. Alors, rien de ce que je te dirai ne te fera changer d'avis? Non, mon père, non. J'ai déjà pris ma décision. Évidemment, si Anna Julia était vivante, eh bien tout serait différent. Et j'aurais besoin de dire la vérité. Mais elle est morte. Je pense que si Ronaldo et moi, on a la possibilité de donner à cet enfant le foyer dont Anna Julia rêvait pour lui, alors c'est le plus important désormais pour moi. N'est-ce pas? Et pour tout vous dire, je crois qu'Anna Julia et Dieu sont de mon côté. Et j'espère que vous aussi, mon père. Bien sûr que oui, ma fille. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous déranger, et c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est bon, c'est bon. Que Dieu te bénisse. Amen. Tout ce que j'ai fait, c'est sortir pour prendre le soleil, et Assunta a failli me manger tout cru. Je ne fais que mon travail, et mon travail, c'est vous obliger au repos. Bon, mais je ne suis pas allé jouer au foot non plus. Alors ça va, lâchez-moi. Docteur, regardez, je suis tout pâle à force de rester enfermé dans ma chambre. Pauvre petit. Cette pâleur ne serait pas plutôt synonyme de mauvaise santé, n'est-ce pas? Oui, Assunta, oui. Mais puisque je vous dis que je vais bien, docteur, dites-le lui. Apparemment, tout va bien. Mais ne crois pas que tu peux te balader partout et faire tout ce que tu veux, d'accord? Et toi, Assunta,
Ne t'en fais pas parce qu'aujourd'hui même, il a rendez-vous avec moi à la clinique. Ah, béni soit le Seigneur. Merci d'avoir exaucé mes prières. Oui, il a aussi exaucé les miennes. Ah, je vous laisse votre bébé, monsieur Caillot. Il va bien mieux. La preuve, il est à nouveau insupportable. Au revoir. Au revoir. Ça, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Parce que je te veux à mes côtés ce soir au dîner familial. Vous êtes invité, docteur. Moi ? Bien sûr, évidemment. C'est grâce à vous que mon fils a récupéré. Il faut que vous fassiez partie de la fête. En plus, je vais annoncer un scoop. Ça va en rendre fou plus d'un. Vous ne pouvez pas manquer ça. Écoute, mon pote. Les affaires de ma femme et de mon fils, ça te regarde pas. En plus, toi, je te connais. Tu es le mec de Banibar. Je t'ai déjà vu dans son bar. Hey, les affaires personnelles de monsieur, on s'en fiche en ce moment. On s'en fiche complètement. Et écoutez-moi bien. Si vous ne m'amenez pas mon fils, je vais porter plainte contre vous personnellement parce que j'ai le droit de le voir. Écoute, l'enfant n'est pas ici. L'enfant n'est pas ici. L'enfant, c'est ma mère qui s'en occupe dans un village qui est à 2 jours d'ici. Jeune papa, je n'ai pas le temps d'aller chercher, j'ai beaucoup de travail. Écoute, de toute façon, tu vas l'amener. Ou bien tu veux que je t'y oblige? Oh, du calme, hein? Du calme, je ne veux pas de problème, du calme. On va faire une chose, c'est ça. Je vais voir ce que je peux faire. Mais il me faut un peu de temps. Ok? Il ne va pas l'amener. Non, si, il va l'amener. Même si je dois aller le chercher par la force. Merci. Merci, Roque. Merci de m'aider. Pour moi, c'est très important de voir cet enfant. Et toi, sincèrement, tu te souviens pas de ton fils ? Non. Non, et c'est pour ça que je veux le voir, parce que je pense que peut-être que si je l'ai en face de moi, d'autres images vont me revenir. Je ne sais pas. Roque, ces derniers temps, il m'arrive tellement de choses. Je vois des images tout le temps, je fais des choses que je ne pensais pas savoir faire, ok ? Oui, je sais. Comme porter secours à cette gardienne de prison. Comment tu le sais ? Qui te l'a dit ? Thierry. Thierry me l'a dit. Et tu ne crois pas que tout ça a quelque chose à voir avec cette Valérie ? Tu n'y as pas pensé ? Et alors que j'allais monter à bord de l'avion, il était là, à la porte d'embarquement. Je me retourne et j'entends des cris et c'était Reynaldo me demandant de ne pas m'en aller. Tu imagines ? Oh Valéria, mais c'est beau, comme dans un film romantique. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Pas rien, c'est tout ce qui s'est passé. Non, c'est bon. Laisse-moi deviner. Je suis sûre qu'au moment où tu allais franchir la porte de l'avion, tu vois, Reynaldo est apparu avec sa belle voix. Il t'a pris dans ses bras et il t'a dit... Valéria, ne pars pas. Je t'aime. Non, Corinna, c'était mieux que ça. Sinon, je serais partie, mais c'était presque ça. Valéria, au fait, le jour où tu as glissé cette enveloppe sous ma porte, j'ai couru jusqu'à chez toi pour voir si tu étais là, et à ce moment-là, il est arrivé. Alors j'imagine que tu lui as donné l'enveloppe, non ? Bien sûr. Mais quand Reynaldo a lu la lettre, ma chérie, il est parti en courant comme un fou. Je n'aurais jamais imaginé qu'il était parti te retrouver. Non, Reynaldo, il est formidable, Corinna, formidable. Je suis folle amoureuse de cet homme. C'est tellement bien. Oh, oui, je suis Corinna, contente, Valéria. Je ne sais pas comment t'expliquer. Écoute, je voudrais que les gens comprennent, comme toi tu comprends, que je suis définitivement, irrémédiablement amoureuse de Reynaldo Gabaldon. Et puis tant pis si certains ne sont pas d'accord. Car après tout, c'est aussi simple que ça. Bah oui. Le nom de Valéria tourne dans ma tête, mais j'ai beau faire des efforts, j'ai beau essayer, je ne me souviens de rien. Seulement ce que je t'ai dit est son nom qui tourne dans ma tête. Et il tourne comme si elle voulait me dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ah, autre chose, la grossesse de Charlie. Alors, toi aussi, tu le savais. Oui, elle vient de me le dire. Et quand elle l'a fait, j'ai senti
que quelque chose se serrait en moi. C'est comme... je ne sais pas, une émotion. Une émotion très particulière. Comme si pendant les derniers jours, avant que je ne perde la mémoire, absolument tout dans ma vie était en rapport avec la maternité. Tu me comprends? Oui. Oui. À vrai dire... à t'entendre... j'ai du mal à croire que tu... que tu sois ce... cette mauvaise mère, comme le dit Melquiades. Ça veut dire alors que... que tu ne crois pas que je sois méchante, comme ils le disent? Non. Écoute, à vrai dire... je dois partir. Je suis juste venu... oublie ça. Sincèrement, de tout mon cœur, je souhaite que tu retrouves ton enfant. Non, Rocky, non. Merci. Vraiment. Merci d'être venu. Merci. Aussi, je t'aime. Julia a toujours été du côté de l'amour, tu vois, Corinna. Et je sais que d'une certaine façon, qu'elle soit au paradis, auprès du Seigneur, et elle approuve la relation que j'ai avec Reynaldo. Je sais que d'une certaine manière, elle sait que son enfant va avoir avec nous l'amour et le foyer qu'elle voulait lui donner. Mais... je ne trouve jamais mon téléphone dans mon sac. Attends. Allô? Bonjour, mon amour. Où es-tu? Je suis à la mairie, en train d'attendre que tu passes retirer ton extrait d'acte de naissance. Quoi? Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais tu vas rester là-bas à monter la garde comme un policier en faction? Non, non, mais je te connais, je te connais. Tu vas oublier, alors après le mariage va être repoussé. Viens, je t'attends ici. C'est bon, mon amour. Mais donne-moi au moins, je ne sais pas, 20 minutes. Oui. D'accord. Je t'aime aussi, mon amour. Des bisous. Bon, j'y vais. J'ai 20 minutes pour faire la route. Il est vraiment fou, celui-là. Au fait, Corinna, avant que je n'oublie, ce soir, il y a un dîner chez les Gabaldon. Reynaldo m'a demandé de t'inviter. Tu es libre? Un dîner? Oui. Pourquoi? Eh bien, j'imagine que c'est pour le rétablissement de Sébastien. Alors, on se... on se retrouve là-bas ce soir, d'accord? Bisous. D'accord, Valeria. Dis-moi bonne chance. Merci, ouais. Corinna. Ciao, Valeria. Salut. À plus tard. Je ne sais pas. Parce que voir Juancho toute la soirée, avec Maruja à son bras... Mais si ça se trouve, elle ne sera pas là. Elle ne s'entend pas bien avec Cayo. C'est vrai, ça, non? Et si j'y allais? Comment ça se fait qu'il y ait une fête? C'est comme ça. Mais pourquoi? Un congrès international de Asomami. Non, non. Je ne crois pas parce qu'il n'y aurait pas de fleurs. Il y aurait des caisses et des caisses d'alcool. Non, ce n'est pas une fête pour Asomami. C'est Monsieur Caillot qui organise un dîner de famille. Et vous, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous voulez que je vous repasse quelque chose? Moi, je n'ai pas été invitée. En plus, je ne vois pas ce que je ferai à ce dîner. Oh! Ne réagissez pas comme ça, madame. Vous faites partie de la famille. Vous n'avez pas besoin d'invitation. Josepha, plus pour longtemps dans cette famille.
Pancho et moi, on est sur le point de divorcer. Ne l'oublie pas, hein? Merci. Oui, oui, mais tant que le papier n'a pas été signé par le juge, vous êtes toujours un membre à part entière. Et du même coup, la femme du docteur Juancho. Allez, allez vous faire belle, allez avec lui à ce dîner. Je ne sais pas, Josepha, ah, je vais voir. Allez, allez, je allez, allez. Pas. On va vous trouver une jolie robe. Allez, venez. Adieu, Charlie. Toi et la jungle, vous avez changé ma vie, pour toujours. Et peu importe ce qui arrive, je ne l'oublierai jamais. Jamais. J'ai laissé là-bas une partie de moi, Charlie. Et rien de ce qui va arriver. À partir de maintenant, aussi beau soit-il, ne pourra remplir ce vide que j'ai dans mon cœur. Je ne cesserai jamais de t'aimer, même si je ne fais plus partie de ta vie, où tu es déjà avec un autre. Elle est trop belle. Je vais lui dire bonjour. Elle va se souvenir de moi. Ah ! Oh mon Dieu ! D'où venait cette voiture ? Je ne l'ai même pas entendue. Mais elle arrivait juste en face de toi. Ben, j'aurais pas pu la voir de toute façon. Ah, quel idiot. Je suis vraiment désolé, non, je voulais pas. Non, t'en fais pas pour ça. Ça arrive régulièrement. Mais, tu te souviens de moi? Être aveugle m'a permis de développer d'autres facultés. Je n'oublie jamais une énergie, ni un homme d'ailleurs. Tu es Benjamin Falcon. Celui qui a remis un message à mon père de la part d'Attilio Bayonne, n'est-ce pas? C'est ça. Et tu sais quoi? Tu m'as laissé sans voix. Ça me fait très plaisir de te voir ici, ok. Mais assieds-toi, assieds-toi. Si tu es là, c'est pour quelque chose, non? À vrai dire, monsieur Attilio, je préfère rester debout. Je n'aime pas tourner le dos aux gens, surtout quand ils sont armés. Ça peut s'arranger. Les mecs, allez, dégagez, dégagez. Allez, allez, vite, vite, vite. Allez, hop, hop, hop. Filez, filez, allez, filez. C'est mieux comme ça? Absolument. Et pour ton information, Jairo n'est pas dans les parages. J'ai monté un plan de retraite et je l'ai envoyé ailleurs. Bon, dis-moi. Ben, c'est vous qui avez insisté. Et alors me voilà. À la bonne heure, ok. À la bonne heure. Je te promets qu'avec moi, tu vas gagner plus d'argent que tu n'en as jamais rêvé, crois-moi. Assieds-toi, assieds-toi. Merci. J'imagine que ce sera directement proportionnel au risque, hein? Ben, oui, on peut dire comme ça. Apporte-moi la tête de l'incendiaire, et toi et ta fille, vous n'aurez plus jamais à vous en faire pour votre avenir. Cet homme est très habile. Il fait son coup et il disparaît dans la jungle sans laisser de traces. Mes hommes ont liquidé l'un de ses complices et depuis, on n'a plus jamais entendu parler de lui. C'était quand et où? Ben, justement, après avoir liquidé son complice, cet homme a fait exploser une piste d'atterrissage. Écoutez, monsieur Attilio, un homme qui utilise une telle quantité d'explosifs, c'est peu probable qu'il travaille seul. Alors, si vous avez éliminé son complice, comme vous dites, il va sans doute arrêter, du moins je pense. Oui, oui, mais pour faire exploser cette piste, il était tout seul. C'était peut-être ses adieux. Ou peut-être une promesse de retour. Écoutez, monsieur Attilio,
Je crois que vous cherchez un fantôme, oui. Aujourd'hui, il y a des minuteurs, des détonateurs à distance. Alors quand la dynamite explose, cet homme est sans doute à des kilomètres de là. Alors vous savez ce que je pense ? Que vous devriez tenter de négocier avec lui. Et pour ça, à vrai dire, je ne peux définitivement pas vous aider. J'ai l'impression que la tête de l'incendiaire ne va pas tomber tout de suite. Alors vous voyez, ne perdez pas votre temps avec moi, ni votre argent, parce que... En fait, votre plan de retraite ne m'intéresse pas, moi. Passez une bonne journée. Attends. Ok, écoute. Mais, et si je faisais de toi mon associé? Ben là, on parle de quelque chose de totalement différent. Et quelle est votre offre? Je veux dire, on parle de combien, concrètement? C'est bizarre que quelqu'un dans ce village s'appelle Benjamin. C'est la première fois que je l'entends. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais ma mère a fait fort et m'a donné ce prénom original, il y a 25 ans. Ben, c'est pas laid. C'est un peu... Un peu bizarre. Et en plus, c'est plutôt doux. Mais bon, d'une certaine manière, je suis comme ça. Et tu as aussi une très belle énergie. C'est toi qui es belle. Pardon, je voulais pas. Je n'ai rien à te pardonner. Bon, il faut que j'y aille. Ouais, moi aussi. Peut-être que si ton père accepte de travailler avec Monsieur Attilio, on pourra se voir plus souvent. Enfin, je veux dire, on se verra. C'est pas possible. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien te... Me voir. S'il te plaît, n'en rajoute pas, tu t'enfonces. T'en fais pas, Benjamin. Je n'ai pas besoin de mes yeux pour voir. Faut que j'y aille. Laisse-moi te raccompagner, ok? Je vis juste à côté de chez toi. Tu vas trouver ça idiot, mais... Pour tout te dire, je préfère marcher. Et seule. Pour que personne ne s'ennuie à cause de mon rythme. À bientôt. Et merci. De rien. Belle à l'extérieur et on dirait à l'intérieur aussi. Ah, je donnerais n'importe quoi pour me faire une petite place dans son cœur. Même si elle ne peut pas me voir, Charlie. Domino! Je te l'avais dit, Maliba, je te l'avais dit que rendre visite à cette femme en prison n'allait rien apporter de bon. Mais tu es vraiment têtu, tu es plus têtu qu'une mule. Et voilà, elle veut que je lui amène son enfant. Quel enfant, Melquiades? Ben, l'enfant que j'ai inventé, il a fallu que j'invente un enfant parce que j'ai dû inventer ça parce que j'avais pas d'autre choix, bon Dieu. Mais je suis peut-être têtu, mais toi, tu es complètement débile. Un petit moment. Un moment, tu vas me respecter. J'ai fait tout ça parce que tu m'as dit de faire. Ok, évidemment, j'ai ajouté une petite touche personnelle. Mais je vais te dire une chose. Ça aurait été très drôle d'avoir un enfant avec cette femme. Moi, je l'aurais bien remarqué chez moi. Ferme ta grande gueule, Melquiades. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que voulais-tu que je lui dise? J'ai menti. Mais cette femme veut absolument que je lui amène son enfant, parce que sinon, elle va me dénoncer aux autorités. Et ça, c'est hors de question. Cette bonne femme est loin d'être bête, hein, Melquiades. Ah bah ça... Bon. C'est clair. Tu n'as qu'à ne jamais y retourner. C'est tout. C'est fini, les embrouilles. Non. Un moment, ça ne va pas se passer comme ça. Ce n'est pas si facile que ça. D'ailleurs, Baniba, j'ai quelque chose à te dire qui va t'intéresser. Devine qui était là quand je discutais avec elle. Ce mécanicien, le fameux Roquet. Il était là et il la défendait. Il m'a même juré que si je n'amenais pas le gamin... Qu'est-ce que tu as dit, là? Tu as très bien entendu quel ce que j'ai Roquet dit. Mon Roquet était là? Exactement. Oui. Alors, tu es content de mon offre? Hein? Tiens-moi donc un verre pour qu'on puisse célébrer le début de notre collaboration. Et certains aussi, parce que... Il faut qu'on parle de ce poseur de dynamite. Vous allez devoir m'excuser, Monsieur Attilio, mais je n'aime pas boire quand je travaille. Enfin, ok. Lâche-toi, relaxe-toi, ne te stresse pas. Ou que veux-tu? Que je t'en donne l'ordre? Oui. Santé, parce que cette alliance va donner de beaux fruits. Et à l'incendiaire, où qu'il soit, où qu'il se terre, ce rat. Ah. Alors,
Ok. Parle-moi un peu de ta famille. Parle-moi de ta femme, parce que... si tu as une fille, tu dois bien avoir une femme. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une gaffe? Tu es bien sûr de ce que tu dis, Melquiades? Mais bordel, je te dis que c'était bien lui. C'était ton copain, ton homme. Ça ne fait aucun doute. Il était là avec elle. Et d'ailleurs, il ressemblait plus à son mari que moi. Ah, arrête de dire des conneries, parce que ça se me voit en rogne. D'accord, c'est bon, mais ne me prends pas la tête. Je t'aurais prévenu. À mon avis, cette garce, elle est plus forte que toi, mon amour. Il m'avait juré qu'il ne la reverrait plus jamais. Eh bien, elle se fout de ta gueule. Mais il y a une chose dont je suis sûr, je vais te le dire et je veux que tu comprennes parce que jamais je ne te mentirai à toi, ma belle. Ces deux-là, ils sont ensemble. Parce que quand j'ai mentionné ton nom, il a fait l'idiot. Cette bonne femme, on dirait que rien ne l'arrête. Même pas la prison. Mais je suis sûre d'une chose, Melquiades. Je vais réussir à m'en débarrasser, tu verras. Cette sale garce, il y a une chose à laquelle elle n'échappera pas. C'est la colère de Baniba. Ça, je veux bien te croire. Mais alors quoi? Que va-t-on faire? On achète le mec de la pharmacie? Oui ou non? On fait quoi? Non. Pas la peine d'acheter ce mec. Elle va savoir qui je suis. Elle va sentir la colère de Baniba. Elle va la sentir. Et lui aussi, Melquiades. On ne me traite pas comme ça. Non, monsieur. Écoute, Roquet. Excuse-moi, je suis désolé. Je savais pas que ta femme était morte. Tu sais, une de perdue, 10 de retrouvée. Les femmes, c'est pas ce qui manque dans la région. Bah, à vrai dire, je n'ai jamais eu vraiment beaucoup de chance en amour. Il y a plein de femmes. Il y a plein de femmes, Roquet. J'ai une tactique, moi. Je les paye. Je n'ai ni le temps ni l'envie de chercher à les conquérir. Tu vois, mon pote, les femmes, ce qu'elles veulent, c'est du sexe, des cadeaux et de l'argent. Et avec ça, elles sont même capables de t'aimer. C'est ce qu'on dit. Alors, on vous a jamais fait de sale coup, hein? Si. Mais une seule fois. Il y a une espèce de garce qui a osé me rejeter. Alors que moi, je l'aimais, elle a osé me rejeter. Mais je lui ai fait payer très cher son rejet. Parce que moi, je suis comme ça, ok. Ceux qui me font du mal, je leur fais payer. C'est comme ça la vie, mon adjoint. Certains perdent, et moi, je gagne toujours. Qu'en dis-tu? T'es toute bouleversée parce que cette espèce de type est venu te voir, hein? Roquet est un homme très spécial, Neke. Oh, très spécial, super spécial. S'il était vraiment spécial, ma chérie, il te laisserait pas croupir ici. Ce qu'il y a, c'est que... il est vraiment très droit. Et c'est pour ça que je comprends qu'il me rejette. D'ailleurs, aucun homme ne pourrait être fier d'une femme avec un passé comme le mien. Mon soi-disant passé. Ah oui. Et qui l'autorise, ce type, à se comporter comme un juge ou un bourreau pour te dire ce qui est bien ou mal dans la vie? On se voit pendant la promenade, ma pote. Cool. Je ne sais pas. Tu as peut-être raison, mais... je le comprends. Je le comprends. Personne ne peut l'obliger à me pardonner et à oublier toutes les saletés qui apparemment forment mon passé. Ah bon? Dans ce cas, le passé, laisse-le dans le passé, ma pote. Et fonce! Parce que ce type, il va finir par se trouver une femme qui va bien s'occuper de lui. Tu comprends? Et toi, tu sais ce qui va t'arriver? Loin des yeux, loin du cœur, et il va complètement t'oublier. Dis-moi, Ray, c'est en quel honneur cette fête, cette fiesta, cette teuf, cette petite sauterie qui a lieu ce soir? Hein?
Merci, merci. Allez, ah, je me demande ce que nous prépare papa ce soir. Il doit être très heureux, parce que ça fait bien longtemps qu'il ne nous avait pas tous réunis pour un dîner de gala. Elle est vraiment canon, Corinne, hein. Bonsoir. Contrôle-toi. Ça va? Bonsoir. Comment ça va, Rinaldo, comment ça va? Bien, papa est heureux. Comment vas-tu? Bien, bien. Papa est heureux. Et il a des tas de raisons pour l'être. Et l'une d'entre elles, c'est grâce à la personne que tu vois là-bas. Tu vois? Oui. C'est bien vrai, les enfants. Caio a toujours su célébrer la vie. Hein? Et Sébastien est miraculeusement en vie. Mais vous savez quoi? Caio a toujours voulu réunir sa famille pour être sûr qu'il la contrôle toujours. T'es un petit peu dur envers mon père. Non. C'est dur, hein? Non, c'est franc. Notre oncle a raison. Bon, bon. Bon, ne dites pas de mal de papa. Faites attention, il y a peut-être des espions planqués. Ça va être génial. Moi, je suis venu parce que papa a dit qu'on allait faire la fête et qu'il avait une surprise pour nous, qui allait nous rendre fous. Je ne sais pas quoi. Le cachotier. Le cachotier. Le petit cachotier. En effet. C'est vrai. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Ce soir, on célèbre le bonheur et l'amour de toute notre famille. Une famille qui, malgré les défis de la vie, est restée unie et fidèle à ses principes, comme il se doit. Merci à tous d'être venus. Santé. 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 Allô? Bonjour, Armando. Comment ça va? Ah, Armando... C'est que je ne peux pas. Je suis déjà en pyjama et je suis au lit. Un autre jour plutôt. Bon, ciao. Je vais accompagner mon mari à ce dîner. Bien sûr, parce que c'est un dîner de famille. Alors ceux qui seront là, ce sera la famille. Sa maîtresse va rester toute seule, chez elle, à s'ennuyer. Nous deux, on va boire un petit verre de champagne, on va discuter, on va s'amuser, et on va finir par se rappeler du bon vieux temps. Peut-être même que les choses vont s'arranger entre nous. Avec du soda, parce qu'il est déjà tard. Et avec une rondelle de citron pour te faire des bisous qui piquent. Juancho, arrête de dire ce genre de choses, hein? C'est toi la coupable. Chérie, c'est toi la coupable. C'est toi qui es venue habillée comme ça à une fête de famille traditionnelle. Chérie, tu n'es pas très fin, hein? Mm-hmm. Tu veux bien te contrôler un petit peu. Les gens vont s'imaginer des choses fausses. Fausses? Parce que tu ne veux pas, d'accord? Parce que je suis tout à toi, moi. Je veux tellement que tu occupes le vide qu'il y a dans mon cœur et dans ma vie, ma chérie. D'ailleurs, on va profiter de cette réunion de famille pour officialiser notre relation. Notre relation? Hein? Mais tu n'as pas encore réglé les choses avec Maroja. Comment peux-tu vouloir officialiser notre relation, Juancho? Ah, je suis en train de divorcer de Madame Maroja. Pour l'amour de Dieu, chérie. Tu vois bien que Maroja, alors qu'il s'agit d'une réunion de famille, Maroja n'est pas là, tu vois? Corinna, quelle surprise! Toi aussi, on t'a invité? Mon Dieu. Mon Dieu, est-ce que cet homme va m'amener mon enfant? Est-ce que c'est bien mon enfant? Et si c'est vrai, Seigneur, à quoi il ressemble? Quel âge a-t-il? Est-ce qu'il me ressemble? Et si je ne me souviens pas de lui, Seigneur, va-t-il se souvenir de moi? De mon visage. Est-ce qu'il m'aime? Non. Si ça se trouve, non. Si ça se trouve, il me déteste parce que je l'ai abandonné. Seigneur. Seigneur, s'il te plaît. Aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi à découvrir la vérité, Seigneur, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit.
La seule chose que je veux, c'est découvrir la vérité, Seigneur. Je t'en supplie. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi. Excusez-moi, monsieur, voici le dossier complet de Maria Ruiz. Oui, c'est pour l'annexer au dossier que nous a envoyé la prison de Ciudad Bolivar. Vous n'avez plus besoin de moi, je peux y aller, monsieur. Oui, c'est bon, Brito, on se voit demain. Mais c'est quoi ça? Ça ne correspond pas aux informations que j'ai. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, serait-il possible que... Oui, 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 bien sûr. L'héroïne de la soirée est arrivée. L'invité d'honneur. Rosita, s'il vous plaît, servez-la. Oui. Hein? Une assiette. Monsieur. Ah, bonsoir. Bonsoir. Tu es ravissante. Ça me donne envie de t'enlever. Mon amour, pas devant toute la famille. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Valeria, elle n'était pas censée être en Espagne? Oui, elle est partie. Mais elle est revenue apparemment, Maruja. Alors s'il te plaît, maîtrise-toi. Ne sois pas désagréable, parce que c'est l'invité d'honneur. Je suis vraiment très heureux. Très heureux de vous avoir tous réunis ici. C'est une soirée très spéciale pour moi pour deux raisons. D'abord, parce que je sens que c'est le début d'une nouvelle étape remplie de beaucoup de bonheur pour notre famille grâce au rétablissement de mon fils Sébastien. Je t'aime, mon grand. Et je remercie Dieu que tu sois de retour. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on célèbre ce soir. S'il est vrai que Sébastien s'est remis physiquement, il y a un autre de mes fils qui se remet aussi, mais spirituellement et sentimentalement. Mes amis, je vous propose un toast au mariage à venir de Reynaldo et de mademoiselle Valeria Hans. Responder a tanta inspiración y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Palabras de